Donc il y en a certains qui commencent à s'y mettre. Donc on a deux exemplaires qui sont des protos qu'on va tester là, mais on va quand même annoncer le nom des gens qui les font parce que c'est très bien fait. Ouais, c'est très bien fait et je pense que c'est super. À l'avenir, je pense que ça sera une ressource positive pour les pratiquants d'AMHE pour la gladiatrie. La Manica est juste splendide. Donc c'est la demoiselle, c'est la madame. Conseil que je vous donnerai, c'est au niveau de la lanière qui est sur l'arrière. Je pense que tu as fait qu'une seule lanière. Ouais. En réalité, il faudrait faire une batte pour chaque deux toutes les deux bandes de cuir. Voilà. Ici, il faut accrocher avec une lanière comme ça, une lanière comme ça, une lanière, une lanière, une lanière. Ça pendouille un petit peu à l'arrière, c'est un peu frange cowboy, mais ça permet, si vous la cassez, de réparer que là et ça articule pour vous. Sinon, elle est nickel. Vraiment, c'est super. Et donc, pour ceux qui sont pas bricoleurs, qui veulent faire de la gladiature, ben voilà. Il y en a un petit mail. Et puis, en juste pratique. Super. Et puis, en simulateur, quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc là, c'est des protos. Bon, lui, il me plaît moins, mais le travail est bon. Thibaut Forgeron d'Épée, qui, je rappelle, est partenaire de la fédération. Donc, vous avez cette c'est 15%. Ouais, 30%. On va les tester ce week-end. Mais là, c'est pareil, c'est hyper compliqué de trouver ça, un truc fiable. Pierre, il est hors de prix, donc c'est même pas la peine. Donc, il va pas le faire. Il va nous dire non, mais c'est pas le temps. Thibaut, donc pour l'instant, c'est le seul en France qui va nous faire un simulateur. Pour l'instant. Ouais, ça c'est bien, c'est super. C'est vraiment une super idée. Et pour info, ça c'est une reproduction d'une pièce archéo trouvée à Pompéi. Donc c'est pour vous montrer, La poignée est vraiment tip top par rapport à la suite. Vraiment. En étant honnête, voilà ce qui est intéressant, c'est que y a Brice, il y a d'autres personnes qui se renseignent. On est sur une passion qui est. Archéologie expérimentale, donc je ne me permettrai jamais de dire ça c'est bon, c'est comme ça. La seule chose que je demande en fait, c'est des retours, de la compréhension, et puis c'est pour ça qu'ils en ont, ils vont me dire ça marche pas, ça casse pas, et pour pouvoir essayer de se rapprocher au plus près de ce qui fonctionne. Voilà. Donc si vous cherchez du matos, vous êtes décidé à vous y mettre à un moment. Là, on a deux artisans de qualité qui sont ici présents, donc n'hésitez pas à partir sur eux. Alors, on commence rapidement, donc on est 22. J'ai dépassé tout petit peu le nombre limite que je m'étais fixé, mais je n'ai pas pu résister au charme fou de ces demoiselles qui ont vraiment insisté pour faire partie. C'est le charme. J'essaie de te sauver la mise, je veux dire que c'était elle. Juste un petit mot avant de démarrer sur la gladiature en général. Comme vous le savez, dans la partie pro de mon activité, on est en recherche expérimentale quotidienne. Hein. On a une étudiante qui fait sa thèse de doctorat sur le sujet, qui sera à partir de la semaine prochaine à l'école française d'appel. Je trouve qu'en plus c'est ma fille, donc on a un bon contact. Bien. Et donc, on est à perpétuel avancé. Plus ça va, plus je me dis que j'ai eu énormément de chance de tomber sur la gladiature par rapport à d'autres domaines de combat, d'activité ou
que c'est une vraie pratique sportive. Plus ça va, plus je me dis, mais si ça n'avait pas été ça, aujourd'hui, j'aurais pas le niveau de compréhension de ce phénomène. C'est pas moi, c'est pas mon travail qui est à mettre en avant, là, c'est vraiment la chance que j'ai, ce sujet, que du coup vous avez aussi pour travailler ce sujet, c'est que c'est un sport. Dans l'Antiquité, c'est un sport. Un sport qui, et plus là aussi ça va, on en a parlé hier soir avec ceux qui étaient avec moi à la table, un sport qui devient pour moi, ancien sportif de haut niveau, un modèle. Vraiment, c'est incroyable ce que ces gens de l'Antiquité, en plusieurs siècles, comprendre, ont réussi à mettre au point. Un sport de combat qui ne verrait rien en position, avec un niveau de violence rarement atteint. Un niveau de violence exprimée et réelle, puisque parfois, même si c'est rare, ça peut aller jusqu'à l'autre. Mais, dans le même temps, cette pratique sportive qui peut aller jusqu'à la mort, elle se pratique avec un niveau de réglementation rarement atteint dans le sport, même moderne, au point où tout est calculé jusqu'au prix des gladiateurs en fonction du prix du spectacle. Donc, un tableau à deux entrées, ce que l'organisateur du spectacle est pris à mettre et ce que le gladiateur vaut en tant que grade, et des concordances, donc un niveau incroyable, un arbitrage. Pendant longtemps, j'ai cru et j'ai dit que l'arbitre était un ancien gladiateur, et donc un non-citoyen. Aujourd'hui, on sait que je me suis trompé, notamment grâce aux travaux de l'année, c'est un citoyen. L'arbitre est un citoyen qui non seulement règle le combat sur la piste de la règle, mais aussi à l'extérieur. Il fait partie de l'ambiance générale de la gladiature, du lien entre le privé des écoles, des propriétaires et le public, le culte impérial, les éditeurs qui vont financer ces jeux pour organiser l'avancée des gladiateurs à l'intérieur de ces catégories financières et faire en sorte qu'ils trouvent une bonne stabilité, suffisamment de gladiateurs de prix élevé, des alphas, ce qu'on appelle les alphas, parce qu'ils sont classés par lettre de l'alphabet grec, et faire l'équilibre avec les tyrannesques, c'est-à-dire une place d'alpha, entre guillemets, qui se libère pour retraite ou mort ou autre chose, et bien, on fait monter un tyro, et ainsi de suite. Donc, l'arbitre est un citoyen, et non seulement il est citoyen d'une cité, et dans l'Orient, il peut être citoyen de plusieurs cités de l'Orient. Un même arbitre peut être citoyen d'Athènes, d'Éphèse, de Thasos. C'est juste incroyable. Il a droit de vote et donc une influence politique énorme à l'intérieur de ces cités du fait de sa citoyenneté. Il est arbitre de gladiateur, de combat de gladiateur. Et c'est tout. Il y a un collège, donc un centre de formation, on va dire, pour les arbitres. Donc c'est vraiment une pratique sportive et ça, c'est notre chance. Parce que du coup, vu que c'est une pratique sportive, on peut essayer de la refaire le plus près possible. Ce qu'on vous propose, et aujourd'hui, et sans le savoir au départ, honnêtement, hein, je ne parle pas de la fausse modestie, sans le savoir au départ, le modèle qu'on a proposé correspond à une des étapes du combat des gladiateurs, qui devait être, je dis bien qui devait être, on n'a pas de certitude à 100%, c'est l'histoire ancienne, qui devait être vraiment la base pour le plus grand nombre. Un combat à non tranchant et non vivant. Et puis, il y a quelque chose où maintenant on est sûr que c'était quelque chose d'important, c'est que derrière ce combat à non tranchant et non vivant, il y avait deux étapes. Celle-ci, on a de la certitude. Une étape à arme tranchante, mais non létale, les stocks est protégé. Et des armes, ce qu'ils appellent armes mortelles, dans les descriptions, ou armes réelles plutôt, tranchantes et piquantes. Mais la plupart du temps, en tout cas sur quasiment 100% des sources à notre disposition aujourd'hui, le combat se fait entre combattants de la même école. Je ne sais pas si vous voyez, ça veut dire que les gars qui vont combattre, et peut-être parfois jusqu'à la mort, ils s'entraînent ensemble depuis des années,
Ils travaillent ensemble, ils sont frères d'armes. Et quand il va mettre son camarade à mort, c'est exceptionnel, mais ça arrive. C'est moi qui te mets à mort, qui prends en charge ta femme et tes enfants. Et ça implique que dans le combat organisé, bien sûr que tu as envie de gagner, mais ce que tu veux faire gagner avant tout, c'est ta famille, ta troupe, ton école. Et que la gestuelle, certes, elle est violente, mais elle doit être technique. Tu ne peux pas te contenter de gagner à raccroche, parce que oui, aujourd'hui tu gagneras, mais demain, quand tu vas faire un prochain combat, tu as toujours cette épée de Damoclès de la vie et la mort au-dessus de toi. Et donc du coup, si tu as fait raccroche aujourd'hui, demain, si tu poses le genou au sol, et que c'est un combat à armes réelles, tu risques de mourir. Donc je pense qu'il y a, cette notion-là qu'il faut prendre en compte quand on veut pratiquer la gladiature. Une pratique sportive, où c'est un vrai combat, mais on n'est pas dans la gomme, dans la compétition dans la grecque. On est dans une représentation, on est dans un spectacle, on est bien dans le cadre, ce qu'on appelle à la fin les outils, les jeux. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est avant tout que ceux qui sont là dans les gradins soient satisfaits de ce qu'ils voient. Et si je pose un genou au sol, si j'ai bien combattu, il y a très peu de chances que je sois mis en route. Mais vraiment, très peu. Brice. Et tout ça, et tout ça, ça nourrit ma réflexion et ça fait avancer ma réflexion. C'est une question après j'achète. À partir de quelle source tu arrives à établir l'origine des gladiateurs, enfin, dans leurs écoles pour un combat? Ce sont les mêmes écoles, ouais. C'est ça, ouais. En fait, on a des documents qui nous indiquent les pères du duel. C'est-à-dire qu'on a des documents où on a une mosaïque ou une lampeuille d'un gladiateur seul, il n'y a pas son nom, il n'y a pas son école, mais on a, par exemple, pour l'exemple que tu connais, le médaillon de Caviar, où vous avez deux gladiateurs, leur nom et leur école. Quand on prend cet ensemble de documents archéologiques qui nous donnent le nom des gladiateurs et leur école, 100%, 100%, c'est la même école. Caviar, Caesaris, Caesaris. Et la plupart du temps, c'est ça. Et quand dans l'Orient, alors sur les sources occidentales, on a principalement Néronique, Caesaris, Imperatif, donc c'est-à-dire que des gladiateurs impériaux ou qui appartiennent aux empereurs. Mais dans l'Orient, on a les inscriptions, notamment parce que dans l'Orient, il y a beaucoup de stèles. On a, Méril a 450 stèles dans son corpus. On a les noms des propriétaires qui ne sont pas des écoles, qui ne sont pas des caïristes. Et ils combattent entre même école et caïristes. Quand ce n'est pas vraiment la même école, c'est par exemple mari et femme. On a, je crois que c'est à Thasos, un couple, ils ont chacun leur école de gladiateur, ils s'opposent. Tout reste dans la famille. Au sens large, là. Non, il règle vraiment dans le sud, là. Pour ça vous plaît, ça. Donc, ça doit être pris en compte dans notre démarche. C'est, bien sûr que c'est un combat. On va essayer de se toucher et on veut montrer qu'on est le meilleur. Mais on veut montrer qu'on est le meilleur avec quelqu'un qui est ton pote, qui travaille avec toi, qui te connaît, et donc à qui tu dois passer des belles techniques, des beaux gestes, pour que, à la fin, ou lui ou toi, si vous êtes à genoux, vous restiez vivant. Parce que tu veux continuer à travailler avec lui. C'est ton pote, c'est ton frère d'armes, tu vis depuis des années peut-être avec lui. Imaginez si vous rentrez dans une école de gladiateurs, vous avez 14, 15 ans, on suppose que c'est peut-être l'âge à laquelle il rentre dans les écoles de gladiateurs, et que tu vas combattre jusqu'à 20, 25 ans, c'est la moyenne des morts sur les stèles de gladiateurs. 25 ans. Ben le mec, t'as fait 10 ans que tu travailles avec lui. Voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous devez prendre en compte dans votre pratique. Voilà pour l'intro. Ce qu'on va faire aujourd'hui, je suis désolé hein, par rapport à d'habitude, vous savez que d'habitude j'enchaîne tout de suite avec l'échauffement. Si aujourd'hui je prends le temps, c'est parce que je voulais faire quelque chose. Je voulais faire quelque chose de particulier. Alors, je n'avais pas du tout préparé ça au départ. Je vais être très honnête avec vous. Je veux faire quelque chose de particulier parce que dans notre communauté d'ADHE, mais aussi à l'extérieur, dans la communauté de reconstituteurs, des passionnés d'histoire vivante, et malheureusement, parfois, encore dans la communauté, dans une partie de la communauté scientifique, plutôt les anciens, pas les jeunes chercheurs, docteurs,
qui eux sont au fait de tout ça, et même les vecteurs et les tracteurs de ces méthodes. Mais dans une partie de la communauté scientifique, il y a encore un mélange, une non-distinction de ce qu'est réellement l'archéologie expérimentale. Et alors, je ne veux pas être prétentieux, je vais pas en une heure et demie, deux heures, arriver à vous faire tout voir, mais j'aimerais vous faire toucher du doigt certaines choses. Aujourd'hui, c'est l'objectif de l'atelier, vous faire voir et comprendre une partie de ce qui peut être l'archéologie expérimentale appliquée aux gladiateurs, et pourquoi on en arrive à aller vers certains points. Dans les documents qui sont à ma disposition, à votre disposition aujourd'hui, vous avez principalement des objets qui ont été utilisés par les combattants dans l'Antiquité, qu'on a découvert dans les écoles de gladiateurs, notamment à Pompéi, et on en a un nombre un nombre suffisant pour se dire. Bon, ben voilà, les objets, les casques et les armes utilisées par les combattants sont ceux. Quand on analyse ces objets découverts, on s'aperçoit qu'ils ont des constantes technologiques, quel que soit l'espace et le temps, dans l'Empire entre, on va dire, le 1er siècle et le 3e siècle au moins. Il y a au moins un siècle ou deux où ils ont une constante incroyable technologique, avec toujours les mêmes formes pratiquement, en tout cas, il n'y a que de l'apparence qui change, des décorations, des choses, mais la technologie reste. Et puis on a les mosaïques, les fresques, ce que nous, on appelle source secondaire, et là, source primaire, parce que ça, c'est directement utilisé par les gladiateurs. Et le travail d'archéologie expérimentale va se concentrer sur ça. Le document mosaïque, fresque ou lampadaire ne vient que dans un deuxième temps, pour moi, corroborer un travail long, fastidieux, pénible et incertain d'utilisation de ces objets. Ils ont un design, une forme adaptée à une fonction, et c'est ce design qu'on veut faire parler. Ouais. Et c'est ce que je vais essayer de vous faire faire. Pour ça, on va travailler avec de l'opposition directe, enfin tout échauffement, et après on va passer tout de suite à l'opposition. De l'opposition organisée, structurée, enfin, je veux dire un attaquant, un défenseur, contre ça. Hein. Opposition, feedback. Et à la fin, on fera des combats libres pour que vous décontractiez, et que. Je ne peux pas m'empêcher, c'est con. Et que tout le monde reparte content et fatigué. D'accord ? Mais l'idée, c'est vraiment de se mettre dans une situation où on travaille ce qu'on a dit, et après on revient et on dit pourquoi, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas. Et que moi, je ne vous donne pas la béquille. Ce n'est pas intéressant. Parce que je ne veux pas qu'il y ait des AMH sur Brice-Lopez. Je veux qu'il y ait. Ou même j'ai Martinez, même si je t'adore. Ah mais on est d'accord. Je veux que mon travail soit remis en cause, mais remis en cause réellement, avec des fondements. Je veux qu'il y ait de la critique, je veux qu'il y ait mais avec des vrais fondements, mais pas. J'espère que ça va vous convenir. Je vous avoue que je pars un peu. J'ai vraiment fait ça au dernier moment. Vendredi, parce que voilà, les choses se sont précipitées vendredi. Mais voilà, je veux le faire. Voilà. Ça va pour vous. Pour ceux qui ont déjà fait des trucs, je suis désolé, c'est peut-être pas aussi trippant que d'habitude. Voilà. C'est le contraire. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que je pense que pour eux, il va falloir qu'ils oublient un petit peu. C'est ça. Qu'ils se déformatent. C'est ça. Ok. Allez, ce que je vous propose là pour démarrer les championnats, s'il n'y a pas de questions, c'est de faire. Quelques petits tours de piste là, juste des petits tours, libres, seul. Allez-y, faites 4-5 tours de piste, tout doucement, tranquille pour vous mettre en train. Parce que c'est pas la ligne, vous donnez les doigts, et vous allez répéter un mouvement pendant 20 secondes, vous marchez les 2-3 pas pour décontracter un peu les jambes, reposer 10 secondes, et ainsi de suite.
Le premier mouvement sera des flexions-extensions avec les bras et on pousse bien sur la pointe des pieds pour bien stabiliser, bien renforcer les genoux et on enchaîne rapidement ces flexions-extensions. Le deuxième mouvement, ça sera un écart latéral, donc position droite, un côté à droite, écart, je repousse, je reviens au centre, à gauche, etc. pendant 20 secondes, en soufflant bien au moment où vous remonterez. Le troisième, ça sera la même chose vers l'avant, une fente d'avant, dos bien droit, repousse, je reviens en position d'équilibre, et ainsi de suite, à droite et à gauche. Le quatrième, on sera en position haute. Ici, il y a du corps élite. On monte la jambe à droite, on descend, on inspire en bas, on souffle en haut et on enchaîne. Et chaque fois, 20 secondes. Vous finissez le tour et vous allez vous mettre en face de moi. Au premier mouvement, les fiches sont plus fortes. On part bras tendus, on expire, on souffle, on pousse bien sur la pointe des pieds, ça permet de bien travailler en même temps les mollets. Allez, attention, je vous donne le temps, vous m'en êtes prêts. 3, 2, 1, allez, go, c'est parti. On saute pas dans le sol, on fait juste on lâche, allez, un peu plus vite, allez, on y va, on va mettre le sol, on saute. Allez, ça va vite, le sol, hein, donc vous donnez là. Il ne faut pas faire semblant. 3, 2, 1, on souffle. On respire. On se prépare pour l'écart latéral. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. 3, 2, 1, top. Allez, c'est parti. On expire, on souffle. On revient. On va faire la phase de ce côté. On revient, allez. On y va. On pousse bien pas la chasser. On vient là, on pousse bien pour travailler les jours et le reset, c'est on est là. On court. La même chose, la fente avant, d'accord. Là, on pousse et on vient à l'équilibre. Allez, 3, 2, 1, go. Allez, 1, 2, allez, 3, allez, 1, 4, allez, 5, on souffle, on se revient un peu là, 6, allez, on y va. On repousse bien fort. 3, 2, 1, repos. Quatrième, je rappelle, on est ici et on monte. Arrive. 3, 2, 1, go. Allez. On y va. On gagne. On gagne, allez. Voilà. 2, 1, go, repos, en mode. On se fait pas pour le suivant toujours, là. On revient les 4 les mêmes. Allez, et on se donne un peu plus là. 3, 2, 1, top, allez là, allez. Ok, allez. Un petit gars, descends pas trop bas, ça sert à rien. Là, ok, tu peux sur tes pieds, allez. 3, 2, 1, go. Ok, on se retourne, on va faire le latéral là. Hop. 3, 2, 1, go. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, allez, 3, et 1, 2, 3, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Allez, 3, 2, 1, repos. On va faire une chose à la barre. On respire bien en bas, on souffle en haut. 3, 2, 1, go. Allez, 1, 1, top, 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 allez, vite, top, top, top. De droite, de droite, top. De droite, de droite, top, top. 2,
Zéro, récupère.
dans un sens. Donc dos bien droit, pointe vertébrale redressée, abdominaux bien entrés dans le bassin rétroversé. Comme ça on travaille en même temps les traverses. Et les bras, ne travaillent pas, alors on s'en va rien. On est tranquille. Bras bien tendu. Et on respire bien, on est toujours dans le même sens, tranquille. Si on a des blagues à la con, c'est bon. Non, je ne dis pas. Oui, parce qu'on a dit que ça fait rien. Dans le sens. On ne contracte pas le corps, je parle de le corps. On va serrer, tard, expirer, pardon, souffler, expirer, souffler. On est prêt? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. On serre le poids. 4, 3, allez, 5, 6, 7, pas trop vite. 8, mais fort, 9, on a du poids, on fait mal à l'air. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, par le fruit, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, regarde, le tirant, j'ai pas mis la queue. Allez, 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 allez. Vous êtes 11 couples, 11 fois 2 minutes, ça va déjà vous prendre une demi-heure, d'accord?
Si on veut en faire plusieurs pour pouvoir avoir du retour, il va falloir pas perdre de temps. Ce qui veut dire que quand on se met autour du cadre là, on a son partenaire à côté de soi, on est en groupe, on est prêt et on y va. Vous deux, et moi je suis au tapis. D'accord ? Vous faites le feedback. Moi je sais ce qui va se passer. Vous faites le feedback. D'accord ? C'est bon ? Le feedback vous fait à la fin de chaque. À la fin du tout. À la fin de tout, sinon ça ne coupera pas. Ok ? Vous gardez bien tout en tête. Hein ? Et on fait le retour à vous. On prend un partenaire. D'abord, on prend un partenaire. Le défenseur, il est passif. Juste ce départ. Non, 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 juste pour vous. Hein, de toute façon, après, vous changez, hein, c'est une minute chacun. Donc, on change, donc on se doit de laisser le pied une minute. Je rappelle ce que je veux voir. C'est le maximum de coups de taille. L'autre derrière son pied qui tourne et qui protège. Uniquement du retour chambre. Uniquement avec tout ce que vous voulez, pourvu que ça soit des mouvements de taille. Je veux voir ce mouvement en plein, bam, 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 ce que vous feriez naturellement, ou ce que vous auriez à faire naturellement. Ce que je vois naturellement habituellement avec des lutteurs ou des gens qui n'ont pas encore travaillé à la lecture, ils font des grands mouvements bien en plein pour frapper. D'accord ? N'ayez pas peur de casser, j'en ai 100 dans la voiture. C'est bon pour tout le monde, tout le monde a compris les consignes ? Donc dans ce sens-là, la première minute, on observe bien, d'accord ? Allez, jouez, c'est parti ! Go!
Go. Éternité, éternité, éternité. Allez, je suis versé. Un seul bras, Top.
Change de rôle. Allez, on lui a mis la vie. Salut, Tom.
La partie la plus intéressante commence à celle-là. Vous êtes tous bien donnés. On voit que... Bah, chagrin pour arriver à 30 secondes et après, honnêtement, c'est plus rien du tout. Je veux votre feedback maintenant. Quand vous avez quelque chose à proposer, à dire sur ce que vous avez vu, enlève le doigt et je donne la parole. Alors, qu'est-ce que tu as vu ? J'ai remarqué que c'est plus efficace de rester collé derrière son bouclier pour se protéger, sinon on peut rentrer entre le bouclier et la personne pour... Ce qu'elle dit, c'est qu'on voit que chez certains, on va avoir le bouclier très serré, et que certains vont avoir le bouclier qui commence à sortir, à s'écarter du corps. On va avoir deux attitudes principales, une attitude de bouclier collé, et une attitude de bouclier qui s'ouvre, et on veut éloigner le danger en poussant le bouclier comme on va faire vers l'avant. Sauf que, tu nous dis, Margot, que finalement, pousser le rempart vers là-bas, ça te semble moins efficace que de le garder. C'est ce qu'on peut constater. On continue ? Parce que le bouclier tourne. On voit donc, si on continue sur le bouclier, hein, puisqu'on est là, on s'aperçoit que du coup, quand on tend le bouclier comme ça, le bouclier tourne, et finalement, ce rempart qu'on essaie de pousser devient moins efficace. C'est la vie qui est visible tout. Quand il y a juste une poussée assez forte et un retrait, ça permet de créer une distance. Non, ça c'est ce que tu imagines, mais c'est pas ce qu'on a vu. Si j'ai vu qu'il faut deux. Ouais. La charge que le bonhomme. Ah, mais c'est pas le bouclier. Non, c'est la charge du bonhomme. Attention. C'est pas ça qui va faire reculer l'autre, c'est ça. C'est ça. Ouais. On est d'accord. Alors ça c'est pas la même chose. C'est, on parle plus du bouclier qui bouge, parce que le bouclier qui bouge et qui recule l'autre. J'ai pu louper des trucs, hein, parce que vous avez vu une chose, mais on ne le voit pas, hein, on le voit pas, d'accord ? On ne l'a pas vu. Dans la même veine, quand on décolle le bouclier, il y a notre propre bouclier devient un manger, en fait. Moi, je me suis pris une fois dans la gueule, du coup, exact. On a vu plusieurs fois que ce qui se passe, c'est que dès que le bouclier va s'écarter, on a vu plusieurs fois que ce bouclier-là, eh ben, c'est pas un bouclier à une arme, il flotte, il vient dans la dans le visage, il vient dans le corps, il vient dans les jambes. C'est ce que disait Thomas, il tourne, et finalement, le fait de l'écarter, alors que c'est l'automatisme que vous avez en tête, on va pousser le rempart vers l'adversaire, finalement, on s'aperçoit, on voit bien que ça crée plus de difficultés que d'avantages. Ça cache la visibilité de l'adversaire aussi. Et ça cache la visibilité de l'adversaire. Et la nôtre, il a du Et là, plutôt, attendez, non, pas de discussion entre vous, s'il vous plaît. On fait le feedback vers là, et j'essaie de, voilà, on essaie de modérer. J'ai des remarques, ça cache la visibilité, mais si on arrive à garder un contact avec le poignet de l'adversaire, enfin la main de l'adversaire qui nous attaque, on arrive quand même à savoir où est-ce qu'il va attaquer et à le suivre. L'autre remarque, c'est l'encerclement qu'on peut faire. Alors, attends, on va faire une par une. Ce que tu dis sur ta première remarque, c'est que, avec ton mot, tu as essayé de prendre contact, donc une sorte de proprioception, à l'adversaire. Tu viens prendre contact, ce que tu dis pour suivre, pour essayer de bloquer, ça te semble efficace. Oui. Et non. Je suis d'accord avec toi, ça peut sembler efficace, effectivement. Je suis d'accord, et ça arrive que quelqu'un qui va manipuler bien, qui va être fort, et qui va surtout avoir un adversaire qui ne va pas faire comme il faut ses coups de taille, qui va avoir son bras tout le temps bien devant sur un périmètre court, il va pouvoir le faire. Quelqu'un qui va faire correctement des coups de taille bien amples, il ne va plus pouvoir le faire. Après, il n'a pas dit éloigner du corps. Il a dit, mais on pouvait, parce qu'il parlait de... On perd de visibilité quand on est défenseur. Et lui, il disait, on n'a pas forcément besoin de la vue, on est caché derrière le bouclier, et on a cette proprioception qui nous permet de savoir où est le poignet de l'adversaire, où est l'agression. D'accord, je pense que c'est plus que ça. Okay. Et la deuxième ? La deuxième, c'est plus sur l'attaque. Il y a une stratégie d'encerclement qui a l'air assez efficace. On va entourer l'adversaire, on passe par-dessous le bouclier. Est-ce que je peux me permettre de vous proposer un petit deal entre nous ? Ne parlez pas d'efficacité. Hein, de point de vue martial, je trouve ça stupide. C'est tout. Mais il te semble que tu arrives à marquer en faisant ta politique d'encerclement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non. Est-ce que vous avez vu des choses qui ont marqué ? Parce que quand on touche le casque, quand on touche le bras armé, quand on touche le bouclier, pour moi, c'est pas marqué.
Ce que je remarque sur vos attaques, vous êtes tous des combattants arrivés, c'est que, je veux pas vous offenser, mais là, vous avez montré juste de la merde. C'est extrêmement inefficace, dépense d'énergie. Mais bien sûr, vous avez montré des attaques où vous venez vous mettre votre main armée à la distance du bouclier de l'adversaire. Je m'explique, tu peux venir, Gilles. Je généralise parce qu'évidemment, il y a des différences entre vous. Vous n'avez pas tous fait pareil. Et je veux pas que vous le preniez mal, mais c'est normal parce que vous êtes dans une autre arme, vous dites, hein. Ok, je veux montrer des trucs, je veux passer par-dessus le bouclier et vous venez faire ça, ici, à cette hauteur-là. Mais vous allez vous faire mal vous-même. J'en ai vu très peu, ils sont restés à distance, ils vous mangent pas pour essayer de venir. Vous êtes escrimeur ou pas? Je sais, vous savez que je suis comme ça. Je vous adore, mais je suis obligé de vous le dire. Et quand je vois ça, la mère qui est ici, qui est là, et qui essaie de faire ça, et j'entends, c'est efficace de passer à moi. Oui, c'est que dalle, il y a le protège tibia. Vous allez faire quoi? Vous allez faire ça, et vous allez oublier que l'autre va vous attaquer dans le dos, que vous êtes bon, qu'il va vous projeter à terre. Vous n'avez construit aucune stratégie. En général, hein, encore une fois, je ne peux pas prendre les individualités parce que vous êtes trop nombreux. Je suis désolé, mais la majorité des attaques que vous avez faites, elles tapent sur le casque. Il y en a, je ne me rappelle plus qui est exactement, vous touchez le casque et continuez. Mais tu as vu ce qu'il y a? Tu vas frapper avec ton arme sur une crête, hein, un casque de 8 kilos. Qu'est-ce que tu vas faire? On continue? Mais si je suis pas désagréable avec vous, non, mais la taille est... Alors, juste une petite parenthèse, je vais être, parce que ceux qui me connaissent bien le savent, je suis... J'essaie d'être le plus honnête possible. Deux choses m'ont déterminé pour vous faire ça ce week-end. Un élément interne à notre pratique à MHE, tout le monde le croit, ce qui dit, les choses qui se sont dites, etc. Et je voulais faire le point sur mon travail d'expérimentation. Et un deuxième point, la personne qui m'accompagne, Pierre, qui travaille avec moi depuis 20 ans, a fait un combat il y a deux jours avant qu'on vienne avec un de mes aviateurs débutants, et il a fait ça. Il était dans une panoplie, en trace qu'il n'a pas l'habitude, etc. Il avait des circonstances, mais il a fait ça. Pierre a fait ça? Ouais. Non. Monsieur, mais je te jure. Il n'arrivait pas à... Mais parce qu'il n'arrivait pas à... Parce que quand on manque de lucidité, quand on manque de conditions physiques, et quand on manque de technique, eh bien, on retourne vers ça. On se rapproche. Enfin, vous n'avez pas remarqué? L'attaquant est tout en train d'avancer, les défenseurs tout en train de reculer. C'est ça, la chaque fois, je donne des choses générales. D'accord? On ne voit pas de combat construit, de déplacement. Pourquoi? Donc, voilà. Continue. Personne n'a essayé au début de sortir et tout, mais quand le mec il fait que la taille, t'as droit à rien, pas de percussion, t'as pas de dague et tout, quoi, tu. Exprès. Oui, non, mais je sais. Sais. Mais si tu veux, là, ce qui est le défaut de la stratégie, c'est pour moi, c'est l'attaquant. L'attaquant qui doit. Il a cette règle-là. Il veut marquer. Il ne peut pas toucher la tête. Il ne peut pas toucher les jambes. Il ne peut pas toucher le bras armé. S'il réfléchit en gladiateur, il ne peut pas toucher tout ça. Comment tu fais? Tu te mets derrière ton bouclier. Il a le casque, il a le bouclier, il a le protège-tibia, il a le brassard là, et tu dois faire que des mouvements comme ça, comment tu fais pour passer? Derrière. Comment? Derrière. Non, mais t'as pas. Vas-y, fais-le. Un bouclier, ça vaut quoi?
là. Il n'y a pas de dynamique du bouclier. Un truc qui a... semblait avoir fonctionné, donc j'ai réussi à mettre des touches sur le flanc de l'adversaire, c'est qu'on arrive en fait à lui plaquer son bouclier qui lui permet en fait de contourner sans qu'il puisse pivoter. En fait. Si on arrive à l'empêcher de pivoter, soit sur une poussée où on arrive à frapper le flanc. Tu peux te lever et me montrer juste le geste de ton bras droit. Vas-y, reprends-toi. Non, ouais, avec ou sans bouclier, c'est pas grave, t'as beaucoup de choses. Juste, tu te mets en position de combat, tu es dans la position dans laquelle tu es et tu fais ton bras droit. Ok, vous avez vu ce geste-là ? C'est un desktop que tu fais. Est-ce que c'est un geste de taille ? Est-ce que c'est un geste de coupe ? Non. C'est pas un geste de coupe. Ça ne passe pas. En fait, la seule fois où j'ai pu passer, c'est quand le mec du bouclier a fait une erreur. Enfin, là. Exactement. Ces coups, ample, ouvert, de taille classique de l'épée, ne passent pas. Et chaque fois qu'il passe, tu peux venir. Chaque fois qu'il passe, c'est parce que vous êtes ici et que donc vous ouvrez votre bouclier pour essayer de bloquer et l'autre va décaler, passer. Et très souvent, ça passe comme ça, ici, là. Avec ces masques-là, même là, ça passe. Après, il y en a quelques-uns qui reviennent en revers sur l'intérieur, au niveau du côté. Mais c'est extrêmement, extrêmement rare et on est sans contre-attaque. Parce que. Tu peux rester là. Pour effectuer son mouvement d'amplitude et faire ça là, ici. Il s'ouvre. Il s'ouvre lui aussi, hein. Moi, boum, aussi je peux rentrer. Pour ce qui est de l'épée, ce test a pour objectif de vous montrer que même si cette arme s'appelle un Magus, même si c'est considéré par beaucoup comme une épée, et même si, parfois, par manque de lucidité, d'expérience, de technique, on a envie de frapper comme ça, par pitié, stop. Pas de coup. On n'est pas avec une épée, on n'est pas dans un coup de marteau, on n'est pas dans un coup de hache, j'en sais rien. On n'est pas dans un mouvement où on va ouvrir l'amplitude des ailes. Ça ne fonctionne pas. Cette arme... que ce soit une cour ou pas, peu importe, cette arme de gladiateur n'est pas faite pour enchaîner ce genre de mouvement. Là, vous avez une dague en bois, si vous avez donné ça à la tête, c'est pas 30 secondes que vous teniez à donner un rythme pareil, c'était 3 secondes. Parce qu'avec le poids de cette arme, l'équilibre de cette arme, j'ai vu sur plusieurs vidéos des gars, même des Italiens faire ça, parce qu'il en avait tellement marre de ne pas toucher qu'il essayait, en faisant ça, de passer par derrière pour toucher. Et là, on revient à l'archéologie expérimentale. Pourquoi pas? Du coup, ça marche, ça passe derrière le bouclier. Mais l'iconographie, celle qui nous aide à faire le feedback, nous, après, quand on teste expérimental et qu'on regarde comment les gladiateurs de l'Antiquité tiennent leurs armes. Jamais. Tu es toujours dans cette position-là, la pointe. De la Sica Supina vers le haut. Cette arme, la Sica Supina, celle qui équipe le trace, pour comprendre le fonctionnement du glaive romain, c'est ça qu'il faut étudier. Parce que cette mécanique-là, elle impose une gestuelle transposable aux autres, à la dague droite, au glaive classique. Et quand tu vois que toute l'iconographie, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, comme ça, te dis merde. En ce qui concerne le bouclier, on a vu ce que disait Pau. Serré ou éclair. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent importantes que vous avez vues? Vous avez plus essayé de faire en fait que dans l'enfoncer. Alors, pour ce qui est des déplacements, l'exercice à se défendre de l'attaque avec des déplacements, c'est que, voilà. Mais effectivement, il n'y a pas eu chez les attaquants une stratégie de déplacement. C'est problématique ce genre de test, quand il y a du monde, parce que le problème c'est qu'on est tous dans la représentation. Et donc c'est difficile.
Mais effectivement, ça se voit, et chez certains, c'est pas grave, la volonté d'aller pousser, 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 pousser. Avec lui, il y a des gens qui sont au bout, qui distance. On tient, ouais, hop, 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 on retourne, on vient travailler. D'accord. Donc, effectivement, pour ce qui est du bouclier, on voit, on a vu ce problème de gestion du bouclier vers l'avant, c'est de pousser les boucliers en rotation et finalement, un manque de protection quand on le faisait. Il y a une chose qui est ressortie très très fortement. Il y a des choses sur les appuis, moi j'ai vu. Alors, il y a l'exemple, il y a eu un cas, c'était vraiment. Maximus, là, on a dit à tort, c'était ça, vraiment en position esquimo olympique sur l'attaque. C'était Maximus, quoi. Le bouclier derrière, on vient là. Et donc, chaque fois qu'il y a eu des touches de taille qui sont passées, en plus du bouclier qu'il y avait vers l'avant, il y avait des appuis, il y avait le bouclier qui était soit vers l'arrière, le pied aligné. Et quand c'était bien fermé, on était là. Ce qu'on voit souvent, c'est que. Ce qui se passe, c'est que quand vous n'écartez pas le bouclier, vous voulez vous protéger, vous vous mettez derrière de façon regroupée, comme ça, la tête de côté, la tête baissée, et le dos complètement exposé. Carrément, on est là, et autour, et on pousse comme ça. Regardez les images des légionnaires romains en reposti, ils font tout ça, ces gars. Pardon, c'est le fort. Ils sont là, comme ça. Et ils résistent, oui, parce que l'autre, tu comprends, c'est un gros moment, il charge. Ça. Mais couille, mais jamais tu résistes comme ça. Il y a ça aussi, des fois, on ne peut pas mettre la tête est tout. Le casque entre le bouclier par derrière. Si tu pousses quelqu'un, c'est comme ça, si tu veux tenir à distance, tu vas te forcer sur les jambes là, tu vas pousser là, et ta tête elle va être là. Dès que tu fais ça, ton cou est moins fort dans cet axe-là que dans cet axe-là. Vous avez fait un travail extraordinaire. Si vous acceptez ça, vous avez fait un pas extraordinaire vers le combat de gladiateur. Parce que vous allez vous dire, je ne vais pas devoir mettre 50 000 coups et m'épuiser en 10 secondes. Je vais devoir construire une stratégie. On est sur un sport de combat. Où l'important va être de donner une, deux touches efficaces qui vont bien tailler, et on va y venir pour terminer on va reprendre les exercices. Et une posture juste adéquate, qui tient compte non seulement des erreurs potentielles à ton combat, mais surtout, essentiellement, de l'équipement. J'ai un gars qui fait 5, 6, 7 kilos, comment je vais tenir la tête comme ça? Comment je vais tenir la tête comme ça? Boum, je suis stable, dos droit, bien. Pourquoi je ne peux faire beaucoup d'exercices dans cette position-là? Je vais me mettre bien, je vais mettre mon bouclier contre moi, je vais avoir les appuis sur la tête pour pouvoir faire des rotations, je vais pouvoir aller là, vers l'adversaire. Et tous les mouvements du gladiateur, épais comme bouclier, se font dans un axe arrière-avant, arrière-avant. Il y a de temps en temps des rotations mais qui vont se faire sur l'épaule pour travailler la supination, pour travailler sur les mouvements intérieurs du bouclier en supination, mais on ne va pas avoir d'ouverture ici de l'épaule, hein, de cette circonvolution importante qu'on a ici là. On ne va pas le faire, on va travailler comme ça. Et tous les documents archéologiques le montrent, tous. Du ressenti que j'en ai eu à l'intérieur en train de me faire abonner la gueule sur le côté, le bouclier, à chaque fois que je me concentre dessus comme outil seul, je finis par m'exposer, maintenant que j'en ai la gueule. L'ensemble doit faire, bouclier, casque, plus équipement jambière, ça doit être un tout cohérent. On doit tout bouger, faire le deuil, de se prendre des coups sur la tête, d'avoir la peur. Le masque est là. Merci. On doit faire le deuil de la peur. Merci, la phrase parfaite. On doit faire le deuil de se prendre des coups. On va en prendre des coups, c'est pas grave. On a un casque qui est étudié pour prendre des centaines de coups. On peut en prendre plein la tronche à aucun risque. Attaque ma tête, mais oui. Vas-y, quoi. C'est un truc sportif étudié pour ça. Ils n'ont pas gardé les casques ouverts qu'ils avaient dans les premiers temps de la gladiature. Ils ont fermé les grilles, ils ont élargi les bordures, ils ont monté les crêtes. Bam, tu vas pouvoir y aller, tu vas même t'assurer les coups avec la tête. Tu vas volontairement. Tu ne te mets pas comme ça. Dès que tu vois quelqu'un qui fait ça, c'est un débutant. Bon, allez, on y va, on va rentrer.
Et effectivement, on voit bien que la totalité de l'équipement fait un bloc. Et que là, ça vous manque. Et quand tu nous as donné la contrainte de départ de frapper de taille, directement, quand on a l'habitude de se battre, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et quand on se retrouve face au bouclier, bien, mais j'ai vraiment l'impression de faire ça. Et on a envie d'aller chercher dedans. Bien sûr. J'impose ce genre d'exercice pour mettre en évidence des choses qu'on sait au fond de soi. Mais j'ai remarqué qu'en combat, même les gens d'expérience, quand à un moment donné la fatigue arrive, ou quand on veut absolument tout de suite toucher, on y va, on fait ça, et on fait beaucoup de mouvements, et on est dans plein de gestes, on est dans l'agitation, et on n'est pas dans la stratégie. Il n'y a pas d'agitation dans le combat gladiateur. Il y a de la violence, il y a de l'agitation, il y a bouffe, on se sacrifie, on y va, mais on n'est pas en train de s'agiter, à mettre des coups dans tous les sens, et à essayer de. Oh putain, t'as vu? Ok, je me suis épuisé en l'espoir. On sait combien de temps ça dure, un combat de gladiateur en moyenne? Non, on n'a pas de certitude sur ça. Ce que je vous propose donc, partant de là, pour terminer sur cette dernière partie, c'est de faire 2-3 exos, celles que certains d'entre vous ont vues des dizaines et des centaines de fois. Mais, et Pierre me l'a prouvé, il travaille avec moi depuis 20 ans, il a dû le faire des dizaines de milliers de fois. Ça ne suffit pas. Il faut le revoir tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et quand tu veux faire combat de gladiateur, tu dois être sur ces rails-là et pas sur d'autres. C'est des mouvements très simples, même à la boutique qu'on voit peut faire, mais au moins, quand tu le fais, tu dois le faire juste, correct, bien. C'est pas compliqué, comme vous pouvez avoir des mouvements compliqués avec vos armes. Là, c'est du rail. Mais c'est un rail sur lequel tu ne peux pas sortir, parce que tu sors, tu n'es rail. C'est trop, t'es trop dans un truc étroit, t'as fait une toute petite porte, tu ne peux pas faire autrement. Et donc tu es obligé d'aller là, dès que tu sors, bah, tu vas dérailler très fort. Ça me fait penser à la boxe. On a l'impression que les gestes sont simples. Et les boxeurs, ils disent, mais non, c'est très technique, parce que si tu fais ça, exactement, on ne passe pas. Mais c'est ça. On est tout à fait dans une forme de boxe en armes. Parce qu'il y a très peu de mouvements. Il n'y a pas un panel technique énorme. Mais ce panel technique, il est tellement fait que si tu te trompes de ça, t'es touché. C'est bon pour tout le monde? D'autres questions? De faire chez vous. Quand vous voulez faire la manipulation comme exercice pour le bras droit. Veillez, si vous avez des vecteurs, vous êtes pratique dans vos mains. Veillez à une posture. Veillez à ce que vos élèves aient un polygone de sustentation juste. Les deux pieds parallèles. On recule la jambe droite sur un rail et non pas sur l'intérieur. Sur un rail des droits, on veut l'arbre tout droit, perpendiculaire à cette ligne que vous voyez au sol là qui passe par le centre de mon pied. Les deux pieds sont sur la même ligne, sur la même direction sur les rails. La jambe tirée avant est perpendiculaire au sol. On est bien positionné là, bien stable. Un polygone de sustentation ici, là, est dirigé vers avant. On est capable de subir des rotations. Celui d'un lutteur, d'un boxeur, et pas d'un escrimeur. C'est normal, c'est pas le même arbre. D'accord? La même droite doit partir à la hauteur de la hanche, à l'arrière de la hanche. J'ai montré plusieurs fois un départ ici, je m'excuse, pour un colloque qu'on fait à la ligne, j'ai montré un ensemble d'autres que j'avais fait sur le travail des armes. Venez nous voir, c'est très bien. Et je me suis aperçu que j'avais noté depuis longtemps que le point de départ de l'arme était à l'arrière de la hanche. Et depuis toujours, je fais partir les jambes ici. Il faut partir de l'arme ici à l'arrière. Là, vraiment bien. Comme tendu comme un arc. On part de très très loin, d'accord? Pour envoyer le bras très vite vers l'arme. Et comme exercice de départ, vous partez d'ici et vous envoyez comme si vous mettiez un petit peu. Sur la poche, et sur la poche. Ça va pas marcher. Merci. C'est bien. Non, pas. C'est pour ça que les gladiateurs C'est pour ça que les gladiateurs ne voient pas.
Là. On souffle bien l'air là-bas. Là. Ok. Là, je vois, on le fait bien fort. Bien souple, on part de l'arrière, on est là. Et quand on arrive ici, on pousse bien sur la jambe, on va faire un peu loin. Quand on est prêt, n'allez pas vite, allez juste. Allez, un, on souffle. Deux, trois, quatre, sept, six, sept, huit, neuf, dix. On souffle. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. On revient tranquille. Tu peux venir, Gilles, s'il te plaît. Le poing là, d'accord, il ne va pas là, il va là, devant. La distance, c'est là. Regardez son épaule. Là. Ici. Et ce que je vais faire, c'est que quand j'arrive au bout, là, je vais passer de là à là. Je vais faire juste cette rotation-là. Pour aller mettre ma taille dans le trou entre son bouclier et son casque. Ici. Et c'est quand je suis placé au retour, en poussant mes pieds vers l'arrière, je le blesse. J'avance, je rentre dans le trou, je le blesse. Je suis ici, je suis à distance, je pousse, j'avance, je rentre dans le trou, et en revenant, je le blesse. Parce que ce que vous avez oublié, et c'est ce que, le dernier truc que j'ai pas pensé à dire, que j'avais noté dans ma tête, j'avais pas noté son truc, c'est que souvent, dans votre exercice là, vous avez fait ça, et vous êtes arrêté là. Comme au coup de taille, ça taille du coup, rien. Ok, c'est là, là à la limite de taille. Et pour le coup, je vous propose la même chose. C'est pas ici que ça va tailler, c'est pas en avançant. C'est quand on va être là et quand on va tirer que ça va tailler. D'accord? Donc, je remonte, on envoie le bras ici. Quand on arrive au bout, on tend, on passe derrière et on retrouve. Du coup, à vide. À vide, on va faire ça, on est là, on va pratiquement jusqu'au bout, et là, hop, on tape. Quand on a passé là, on tire très fort. On inspire, on souffle, et on souffle ici. Et là, on revoit une respiration, et très fort, on y va. Il faut vraiment s'imaginer, on tire comme ça, très fort, d'accord? On est prêt, on fait tout doucement, on est propre. En place. Allez, hop, tendez les bras, on tire fort, descend ton bras, descend ton bras ici, tire vers l'arrière, c'est Stéphane qui te demande. Jordan. Jordan, pardon, tire ton bras à l'arrière et tu vas. Voilà, ici, viens tirer. Allez, deux, pousse, non, tu vas toujours prendre tout de suite, non, mais viens là, tourne là. Trois, quatre, cinq. Va plus doucement, on remet les places sur ton pied arrière. 6. Non, ne le perdez pas. 7. 8. 9. 10. Ok, calme. On va faire la même chose. Maintenant, on va faire ça. 1. Et on lève. 2. On va faire un décalé en même temps. Regardez, on est là. Un, j'attaque. Au moment où j'attaque, boum, je me déplace. Je vais me placer sur le côté. Je tire et j'en vais. Tac, boum, je tire et j'en vais. Ok, on prend l'espace. On se remet chaque fois qu'on va être dans le regard. On passe à ses pieds, on est 4 mètres. Ici. Un. Deux. 3, on passe à tirer fort, 4,
5. Non, non, mais je vais faire un jour, hein. Attention. 6. Parfait, bien droit. Allez, droite, direct. 7. 8. On se remet bien en garde. Il faut tout de suite, tu n'es plus en garde. Tu n'es plus en garde. Tu me dis, ok, la vie. 9. 10. Très bien. Avec ça, on va faire un autre mouvement qui est sur le lèvre. C'est-à-dire que là, on va attaquer l'épaule au-dessus du pied. On va attaquer l'intérieur du bras. On a un mouvement qui donne deux résultats. D'accord ? Comme une dame courbe ou pas. La dame courbe permet juste d'amplifier ce résultat. D'accord ? On va ici, on va attaquer la taille sous le bras de l'adversaire en termes de protection, d'attaque sur le coup, sur le coup, de déplacement. D'accord ? On va droit au niveau de la hanche. On va droit au niveau de la hanche, d'accord ? Et on va orienter la dague vers l'adversaire. C'est-à-dire qu'on va être obligé de faire une supination. Si je suis devant lui, entre lui et le bouclier, je vais tailler avec un côté de la dague en avançant. Si je suis derrière lui, je vais tailler de l'autre côté, parce que c'est le trajet entier. D'accord ? C'est finalement le geste de la sortie de même. Je suis ici, je viens, je place la supination. Et là, poum, je touche pas. Ou, poum, je touche pas. D'accord ? Donc, ce qui est important, c'est que ce sont les gestes là, de passer direct. D'accord ? Et après, c'est l'intelligence qui tombe pas. Non, on n'avance pas. Il ne faut pas faire ça. Non, on se trouve trop près de lui. D'accord ? Il est là. D'accord ? On le fait pas plus loin d'abord, comme ça, statique à 10. On est prêt. On est bien, droit là, le bras, et on tourne vers les mains, d'accord ? Allez, 1, on souffle bien, et on tire fort. 2, on place, et on tire fort. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on va rajouter le déplacement pour avancer. On va faire ça. 1. Ici, on peut aller avec ce côté. 2. 3. On se retrouve. L'adversaire est là. Je me remets face à lui. 1. Je taille en avançant. 3. J'en passe derrière lui. Il est là. Je vais le tailler. Je vais le traverser. Je me retrouve vers lui. Je me remets immédiatement en garde. La tête bien placée à l'arrière. Il est là. Comme ça, je peux enchaîner. D'accord ? On est 5. Position. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Super. Très bien. Il nous reste 3 quarts d'heure. Comme je veux que vous fassiez le combat, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans la stratégie. D'accord ? On passe contrat à 4. Vous allez faire le combat maintenant et vous allez pouvoir vous lâcher, entre guillemets, mais essayez de penser à ce qu'on vous dit, à ce qu'on s'est dit et au feedback qu'on vient d'avoir ensemble. Essayez de penser à votre posture juste, à ne pas vous tourner le dos, à attaquer correctement avec une stratégie, ne pas aller chercher en bas, ça ne sert à rien. N'oubliez pas qu'un spectateur vient au corps à corps, vous projetez votre sol. Quand il y a une demande de question qui bouge au sol, j'appelle le combat. Donc, le corps à corps, je fais attention, je vais dans votre position. Je vais moins fort et pas me mettre en danger. Si j'ai une petite touche et que moi j'en ai deux grosses, c'est moi qui ai gagné. Donc, attention. Tout ça avec l'application de son mouvement sur la taille correct. Tout le monde passe. Vous êtes 11 couples. Si on fait 3 minutes, 2 minutes, allez, 2 minutes, ça nous amènera quasiment au bout.
aura plus qu'à faire le dernier tour sur les pauses, ce sera en bout. On aura fait un super pas, je pense, sur la compréhension de l'éducation. Allez, on prend l'adversaire. Une dernière remarque sur cette position. Arrière, on a vraiment tendance à crisper, à tailler l'épaule. Il faut vraiment détendre. Ouais, exactement. Il faut détendre bien le laisser à l'arrière. Il ne faut pas la crisper ici. Il faut tirer tout de suite. Ouais. Il faut tirer à l'arrière bien. En fait, il faut faire ça. Tire à l'arrière ici. Ça va être voilà. On prend l'adversaire. Allez, vous, c'est parti. Bon, bref. Stop, on bouge plus. Regardez ça, bouge pas. Regardez sa posture dès le départ. Il a sa tête qui est complètement sur le profil. Son bouclier qui est sur le côté. Il est complètement en déséquilibre ici. Son dos est exposé. Il doit se mettre face à l'adversaire. Continuez. Intérité. Comprenez. Accélérate. La juste distance. Ouais, les deux pièces, elle a tout. Hé, capitaine.
bouge pas. Merci. Je suis là. Position. Savez-vous, ça vous plaît. Bleu. La même chose avec le décalé. Allez. Décalé avec la jambe droite. Par derrière. Bouge la chaîne derrière, tout de suite.
Je reviens à
la position initiale, il a des stats pour marquer. Tout de suite. C'est pas ça. Ben, il touche, je suis derrière quoi. Je sors, je traverse, je me suis côté. Je reste pas dans le même axe si je me retrouve derrière. Ou alors, je suis protégé. Allez, combattant. Combattant. Attention au déplacement, attention aux appuis. Thank you.
super. Ah, pas de problème.
c'est juste les axes. C'est quand tu trouves les regrets qu'on a dit. C'est l'axe, voilà. L'axe, il est sur le coup. Allez, reste de quoi pas, vas-y. Saluez-vous. Allez, les deux derniers.
Éternité. Du coup, on fait un chat comme ça, on a la correct, correct, les déplacements, les postures. Hé, hey, capitaine, on bouge plus, on bouge plus. Regardez sa position. Il met son bouclier à côté de son masque. Forcément, ça va pas, il n'est plus la pelisse et pas dans l'axe. Hein? Tu dois être là, d'accord? Faux. Tu l'as dit toi-même, il faut accepter de prendre des coups dans la gueule. D'accord? Tu es en train de tirer ta tête sur le côté. Tu vas prendre des coups, mais sur le côté, ça va être pire. Mais bien dans toutes les faces. Allez, fight. Thank you.
deux petits points. Un, pour vous remercier d'avoir accepté ce format et cette façon de travailler qui était un peu voilà, différente de celle que je mène actuellement. Avec l'objectif vraiment important de vous impliquer encore plus dans votre démarche d'apprentissage du combat de gladiateur et que vous compreniez que ce qui va rendre le combat spectaculaire, c'est l'expression d'une technique juste et pas une juste gesticulation. Faites un beau geste, un bon axe, une bonne entrée, un bon passage côté, un bon passage dessous. Là, le public va commencer à dire « ouais, c'est bien ». Et le public apprend en même temps que nous. Nous, on le voit au quotidien. Ah, ah, le public apprend en même temps que nous à voir les beaux gestes. Au départ, il ne sait pas. Même la gesticulation lui plaît. Et petit à petit, quand il voit les beaux gestes, il commence à comprendre. Et quand on peut le voir avec le recul et on a la chance de pouvoir nous le voir avec des années de recul sur Arles, ça marche. Ça marche et le beau geste marche. D'accord ? Ça fonctionne. Le côté spectaculaire du beau geste, il est là. Pensez à ce que je vous ai dit par rapport à l'expérimentation. Voilà, c'est important de bien toujours penser que l'objet nous implique un mouvement. Il est possible de faire différents mouvement avec le même objet, mais après derrière aussi, eh ben, il y a l'équipement qui va sur l'adversaire, l'iconographie qui nous montre. Et donc, ce qu'on veut, c'est faire l'étude juste de la gladiature et pas simplement, encore une fois, gesticuler avec des armements. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait, la façon dont on a travaillé ? J'ai pas une question, mais en tout cas, cette formule-là, c'est vraiment. Merci Olivier, en tout cas merci beaucoup à tous. C'est toujours sympa de voir du monde pour cette pratique. Je vous avoue que je suis toujours, toujours étonné. Voilà, ça marche bien, ça vous plaît, tant mieux. Voilà, merci beaucoup. Ouais.